Allô, moi c'est Gabriel Beauregard, j'ai 22 ans. J'ai été à la MFR, Maison familiale rurale, en 2016. J'ai fini en 2015, j'ai fini en 2018. Je suis maintenant opérateur de multifonctionnel à mon compte. On a une compagnie, moi, mon frère et mon père. Le pourquoi j'ai été à la MFR, c'est qu'à Polyvalente, j'allais décrocher, j'allais tout simplement arrêter. Puis la MFR, ben mon frère, il m'a aidé un peu pour rentrer dans ça. Fait que il va vous expliquer comment son parcours a été lui aussi. Salut, moi c'est Maxime Bourgard, j'ai 22 ans, 25 ans. J'ai fini l'école, la MFR en 2012. Après ça, moi j'ai été faire mon DEP en aménagement de la forêt à Mégantic, technicien forestier. Ça n'a pas vraiment cliqué dans ce domaine-là, comme c'est là. Fait que après ça, ben là, je suis tombé gérant d'érablière vers 2000, des années 2014-2015, je crois. J'étais tombé gérant d'érablière. J'ai fait 5 ans là. On avait géré 30 000 en taille. Puis là, quoi, 2 ans? 2 ans à peu près, mon frère et mon père, eux autres, ils bûchaient la main un peu pour un gars. Puis là, on a décidé qu'on partait. Là, j'ai décidé que moi, je lâchais la compagnie là-bas, l'érablière. Fait qu'après ça, ben, on s'est mis à checker les machines, puis tout ça. On a commencé à chaîner ça. On a fait 10 mois de même avec un petit tracteur 50 force puis une petite chargeuse. Puis là, ben, au bout de 10 mois, ben là, on s'est acheté la multi. Puis depuis ce temps-là, ben là, on a engrossi. On a changé le tracteur pour un autre porteur. Puis on a changé l'autre porteur pour ce porteur-là. Ouais. Fait On a que fait gros des transferts de grosseur de machinerie. Fait Ouais. qu'en fin de compte, c'est pas mal ça, mon cheminement. Puis pourquoi j'ai été à ma affaire, ben. Moi aussi, je m'en allais pas mal pour décrocher à Polyvalente qu'on allait nous autres extinguer, là, en tout cas. Pas le Valente Louis-Saint-Laurent. Je m'en allais pas mal décrocher, puis la même affaire, je trouvais ça une bonne option pour le monde qui était plus manuel, là, qui était comme tanné de tout le temps rester en arrière d'un pupitre la journée longue et l'année longue. Fait que la même affaire, au moins, t'as fait 2 semaines sur 4 que tu étais là. Puis 2 semaines, les 2 autres semaines, tu étais en stage. Fait que c'était une bonne opportunité pour moi de faire ça. Puis ben, c'est là que ça m'a amené aujourd'hui là. On a chacun un tiers de la compagnie avec notre père. Fait que depuis ce temps-là, ben, c'est ça, on bûche dans le bois. Puis là, on part juste de grossir la bûcheuse, changer le porteur, puis ça va bien. Fait que grosso modo, c'est ça. Puis vous autres, au niveau de la MFR, c'est quoi que vous avez aimé le plus? Moi, ça a été surtout les 2 semaines de stage, puis les 2 semaines d'école. Sinon, tout le temps avoir été à l'école, c'est ça qui m'aurait fait décrocher plus. Au moins, je pouvais bouger, puis je pouvais apprendre mon métier que je voulais faire. Pis... Bien, eux autres, ils ont pris de l'expérience, puis ils ont creusé qu'est-ce qu'ils aimaient le plus encore, là. Ils ont trouvé qu'est-ce qu'ils cherchaient le plus, là. Là, ils ont fait, évidemment, un DEP à l'école. Oui. Puis, ils ont fait un DEP aussi en agriculture. Oui, 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 oui. Puis, ils ont fait le secondaire 5. En plus. Secondaire, Gabriel a fait secondaire 3, 4 et 5. OK. Maxime a fait secondaire 4 et 5. Puis après la maison familiale rurale, il est allé au centre de formation Granit à Mégantic. Mégantic, OK. L'aménagement de la forêt, 1 an. OK. À l'entour de 15 000 en taille. Ouais. Ça aussi, vous aimez ça beaucoup? Oui, ça a été un des DEP aussi. Il faisait partie des formations qu'on pouvait avoir avec le bois.
Fait que ça nous a aidé aussi à comment entailler, comment bouillir, comment tout faire les bonnes choses. Là. Vous aviez, au départ, vous aviez une petite expérience, parce que vous travailliez dans les ravières de votre père. Ouais. 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 Mais le fait d'avoir grossi comme ça, bien évidemment, la formation a été bienvenue, parce que c'est pas ouais. le même équipement. Là, c'est, pas... là, c'est sûr qu'on n'ira pas, mais... c'est quoi l'équipement que vous avez là, dans le... On a une bouilleuse au granule. Un évaporateur au granule? Oui, ouais, un master CDL au granule. OK. Avec un osmose, un 4 en branle, 5 poteaux qu'on a. 5 ouais. poteaux? Oui. Puis la bouilleuse, elle, c'est une 4-15. OK. Vous osmosez à quel pourcentage? 18-19. 18-19. Quand lui décide qu'on le craint pour... On va mieux 20-22, là. Ça va plus vite. On reste moins longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, ça va bien, bien satisfait de ces équipements-là, ouais. là, sans face. Là. Okay. On a équipé les rabilières pour la cabane pour avoir 20 à 30 000 en taille. Fait. Moi, ben, je dirais que la même affaire, ben, c'est sûr que c'est un... peut-être pas une école faite pour tout le monde. Non. Il faut un petit peu quand même que tu saches où ce que tu veux t'en aller. Il faut que tu saches manuel plus que... Si... Que ça refaigne. C'est sûr. Mais c'est sûr que si tu veux pas être pris pour un numéro, c'est la place. Ouais. Le monde te connaisse, les professeurs t'appellent par ton nom. Ils connaissent ton nom, mais au bout de gars, j'ai fini en 2012. Vous savez encore mon nom? On est rendu en 2020. Bientôt 2021, ouais. Fait que je pense que la MFA, ben, ça a juste du bon. Mm. Il n'y a pas de problème.